briga sana, per uccis' monte o bu monte, dai grute di ammarina, ai strappagore di ammontana, a mi basso a poco spese, cua risa per fa fronte, tra mumula chi m'accompagna, e tutte l'altre di Ubaese. Tu dis quelque chose ou pas? Hein? Rien à dire. Marc Riola, tu es vice-président. Tu es grand-père. Tu es grand-père, moi. Et quoi des gros sous-minoudes, hein? Alors, j'ai viagé, hein. Eh ben, je suis à côté du boss. Tu es à côté du boss, hein. Le boss, le patron de l'humour en Corse. C'est lui qui t'a inspiré. Et il inspire tout le monde. Mais c'est Renard Dumber, il a Iberelli. Ben, il paraît, hein. On n'a pas les papiers. Si tu n'as jamais les papiers. Si tu n'as mis qu'on dit non, on dit non. Si tu es au bout de la chambre, Mina. Merci. Ordinaire. Extraordinaire. Je l'ai trouvé grosse minute. D'avoir deux parties, une assemblée ordinaire et une assemblée extraordinaire. Et pour l'assemblée ordinaire, il nous faut Michel Guay. Surtout quand on se trouve à l'Alezane. Parce qu'il va y avoir eu beaucoup d'assemblées, d'évêques, d'archevêques et de rois qui ont. L'élection du roi, il y avait donc. J'ai pensé, moi, que j'avais adressé cet hiver un plaidoyer au président. En lui disant que quand même nous méritions le titre d'académicien, dans la mesure où nous sommes une académie burlesque, comme il y en a eu beaucoup. Donc j'avais pensé que nous méritions quand même le titre d'académicien, parce que membre d'une assaut, ça me paraissait un peu tristounet. Je vous dirais que nos finances sont stables. Cette année, nous n'avons cependant pas eu de subvention, parce que la CTC Conseil général a fusionné et nous avions l'habitude de nous adresser au Conseil général. Alors là, il y aurait quelqu'un en rigueur. Parce que si y a une conciergerie, il y aura un couple qui fera ça et recevra des gens. Ça, c'est l'aspect hôtelier, si vous voulez. L'aspect culturel, ça, c'est une des salles justement qui était prévue dans le secteur culturel. Ça peut être une salle d'audition. Le personnage de Grosso-Minou, qui est non seulement un personnage qui a existé, effectivement, mais qui est devenu aussi un personnage culturellement très important du point de vue littéraire. De cette manière, on l'a présenté dans le dictionnaire historique de la Corse qui a été publié il y a quelques années et où Grosso-Minou tient une place importante. Bon, alors, si c'était un ami le commerçant et au Abel, c'est parce que ça il y avait arrivé à niente et qui, quand on y parle de Corse, quand on y compte un assaut, il y a un coiffissier, une ouvagerie ou quel qui compte, in generale non si perde mica troppo un tarretto e la quantità che è venduta è un prezzo. E come si dice di no, i commercianti comprano a uno e vendono a tre. Dunque io penso che ha perso 40 anni campava meglio che quando era giovane e si vede. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, je vous ai déjà esquissé mon travail sur l'état civil de Pereire, dont je me suis tapé la lecture intégrale, parce que j'ai compris que quand on s'intéresse à l'histoire des Figoni, il ne faut surtout pas s'arrêter au seul document qui concerne les Figoni. J'ai lu absolument tous les actes de l'état civil de Pereire qui est conservé depuis 1772. Je n'ai pas encore attaqué le XXe siècle, mais le XVIIIe et le XIXe, j'ai lu absolument tout. C'est magnifique, hein, voilà, un travail magnifique. Voilà, Alicia Bernardis, on peut applaudir aussi parce que c'est une excellente artiste. Alors, Pido, qu'est-ce que tu nous racontes là? Alors, il y a demandé si achète ce nom de Pido, parce que ben, il y a Pido. Bien souriant, par contre.
sourire. Vous êtes sur Facebook. Alors, il y a toujours du roubaille, il y en a tout, hein. Fougage ou du gabre. Fougage ou du gabre. Mais du gabre. Pour les Français, c'est le fromage de chèvre. De chèvre. Hein. Mais qu'à la bûchette. Qu'est-ce que c'est que vous voulez, les bûchettes? C'est du brocho. Le brocho, alors, vous allez fabriquer des beignets qui sont comment? Ça s'appelle comment? Des beignets au brocho. Je vous les montre. C'est les évrités, là. Évrités. Évrités des gourses. Donc, ne vous gênez pas. Hein? Ah, magnifique. Hein? Alors, chaque morceau est entouré de pâtes. Mais je vois pas, on le pose dans l'huile. Oui. Vous voyez? Hop. Oui. Ça y est, là, je vois. Là, je prends bien. Oh, Thierry, tiens là des meilleurs faits. Ouais, je te les donne. Allez. Voilà, là. Vous avez le coup, hein? Voilà le geste. Hein? Oui, très bien. On m'a appris. Hein? Oui, ça vient pas tout seul. C'est extraordinaire, hein? Ma d'un cielo bello de fino, posso essere bello anche, ma la nino aiaccino, d'ogni bieve, d'ogni paese, americano so caghinese, ma radicioso e orfanello, e disgrazia la rimessa immensa dans tu mospino di zidelo quando vi ha giubia ganza e si udan pustrini e pia laggiù.